Bon yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on reprend un petit peu les vidéos shape. Vu que là il y a une toute petite pluie, bon elle a servi à rien. Donc aujourd'hui je vais essayer de refaire le coin là, parce que vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup d'herbe ici et tout. Et quand on passait c'est vraiment un bordel. Ici pareil, il y a les boss qui sont grave gênantes. Du coup je pense que je vais refaire tout le coin là en beaucoup mieux. Je veux déjà détruire les boss. Je veux voir qu'est-ce que je veux faire, si je fais un virage, un saut ou des trucs comme ça. Donc je vais directement vous laisser avec un accès où je refais tout ça, toute cette partie là, et puis je reprendrai juste après. Bon les gars, j'ai bientôt fini, donc vous avez pu voir que j'ai changé un peu de plan, parce que de base je voulais pas faire un kick ici, mais bon du coup j'ai fait ça parce que je trouvais que ça allait plutôt bien. En gros le kick va servir pour la table, donc on arrive de la table, on atterrit, et puis du coup on arrive ici, gros ça fait une variante à côté de celui-là, donc on vient ici, hop on atterrit là-bas, et puis après ça on prend la variante à droite, soit si on peut on va sur le saut normal à gauche. Puis du coup il y a aussi le passage ici où j'ai enlevé toute l'herbe, donc je dois encore finir tout ça, je dois finir le kick encore, et puis du coup je pense que je vais directement vous laisser là-dessus, en espérant qu'il n'y aura pas une averse encore comme ce matin, parce que je sais pas si ça se voyait sur les accélérés, mais ouais il pleuvait un petit peu de temps en temps, donc c'était un peu chiant, mais bon. Du coup voilà, je vous repose encore avec l'accéléré où je finis tout ça, et puis après je vous reprendrai pour le test. Bon les gars, ça y est, j'ai enfin terminé tout ça. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment magnifique. Ça rend vraiment 10 fois mieux qu'avant. Avant c'était vraiment pas ouf, mais là franchement, là le rendu est vraiment bien. Je trouve que le kick, ça rajoute vraiment un truc en plus au spot. Et le petit chemin ici, puis celui-là qui se rejoignent, je trouve ça va vraiment bien ensemble. Donc voilà, pour ça j'ai terminé. Donc je pense après on va venir tester ça. Et puis après je verrai, je pense que je vais encore peut-être faire une modif, peut-être au niveau de la table ou je sais pas trop où. Mais d'abord on va tester le saut là. Du coup, donc je vous le rappelle, on doit sauter d'ici pour arriver à la récepte du kick là de base. Donc je vous reprends tout de suite avec mon équipement et mon casque, et puis on va tester ça. C'est parti. Bon les gars, aussi j'ai une mauvaise nouvelle. Donc si vous vous rappelez, il y a 2 semaines j'ai sorti la vidéo où on allait reconstruire une ligne qu'on avait déjà construite auparavant. Donc on a fait la partie 1 tout ça, et vous avez été vraiment nombreux, très nombreux à demander la partie 2. Mais malheureusement il n'y aura sûrement pas de partie 2. Donc je suis désolé pour tous ceux qui voulaient voir la partie 2 et tout, parce que même nous on aurait bien aimé faire la partie 2. Mais bon, il n'y aura sûrement pas de suite. Je tenais quand même à vous le dire pour pas que vous attendez la partie 2 mais qu'elle sorte jamais quoi. Et puis voilà, du coup je vous dis plus rien, et puis je vous reprends là-haut avec mon équipement et mon casque, et puis on va tester le nouveau saut. C'est parti. Bon c'est bon, je suis prêt, je suis équipé. Donc juste avant de sauter l'autre saut, je vais d'abord un petit peu m'échauffer vite fait sur les autres lignes, et puis dès que je suis chaud on va essayer le saut, et puis voilà. Allez, c'est parti pour l'échauffement du coup. Attends. Ah, faut apprendre le passage là, ok. Et donc là où je suis passé c'était plutôt pas mal. C'est la première fois que je passe dans ce sens là. Bon par contre je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a déjà de nouveau la poussière, alors que ce matin il a plu. Donc la pluie elle était vraiment là juste pour faire chier en fait. Ouh. Ah, j'ai piqué là. Bon les gars, aussi n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on vient justement de passer les 11K, donc ça fait vraiment super plaisir. Il y a encore beaucoup de projets qui vont arriver sur le terrain, comme la rampe de lancement qui devrait arriver d'ici pas très longtemps. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi c'est parti, on part sur la table, puis on va voir si la charge est bonne, si la vitesse est bonne. Puis on arrive là. Ouais, franchement, ça doit le faire. On remonte et puis on tente ça, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh.
Bon bah franchement ça passe nickel. Donc allez, on va se refaire ça 2-3 fois. Ouah. Ah oui, aussi les gars, j'ai un truc à vous demander. Parce que ouais, vous êtes beaucoup à me demander pourquoi je donne pas un nom au spot et tout. Parce que c'est vrai qu'on n'y a jamais vraiment pensé. Donc justement, j'en profite sur cette vidéo pour vous demander... Attendez, je me pose vite fait là. Donc ouais, j'en profite avec cette vidéo pour justement vous demander de donner des idées de nom du spot. Donc voilà, donnez-moi toutes vos idées de nom du spot en commentaire. Puis je pense que je choisirai vraiment les 3 meilleurs pour faire un sondage sur Instagram. Et puis c'est vous qui choisirez le meilleur des 3. Minette, putain. En plus, elle me regarde bien en face. J'ai pas de ça me casse les couilles en vrai, ça. Bon, les gars, j'ai un petit souci. Un chat qui vient de débarquer. Donc, je peux pas sauter. Sinon, je risque de l'écraser. Donc, hein. Oh, calme, calme. J'ai une question, ceux qui ont des chats, est-ce qu'ils sont aussi fous que ceux-là, que Blanc-Bec? Parce que ça, c'est le chat de mon cousin et franchement, il est un peu malade. Hein, voilà, laisse-toi caresser tranquille. Parce que pour ceux qui demandent, c'est pas mon chat, c'est le chat de mes cousins. Mais bon, vu qu'ils habitent à côté, bah voilà, le chat, il vient ici, quoi. Ah oui, aussi, les gars, je voulais vous dire, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Donc, je vous l'affiche juste ici. Donc si vous voulez voir des petites avant-premières comme ça, bah n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Et puis bah voilà, c'est tout, je voulais juste vous dire ça. Fait qu'il n'a pas bougé. Bon, malheureusement les gars, la vidéo va devoir s'arrêter ici parce que vous pouvez voir. Parce que le problème c'est que cette nuit il y a beaucoup plu. Du coup ben il y a de nouveau de l'eau dans des trous. Donc il y a de l'eau ici, un petit peu ici. De nouveau, ce qui était sûr, dans le step up. Mais du coup voilà les gars, donc la vidéo s'arrête ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu parce qu'elle était assez courte. Mais bon, du coup je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en espérant qu'il va pas plus pleuvoir et que l'eau monte pas plus haut dans le trou du step up. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.